Et bonjour à toutes et à tous, c'est Utin65 et on se retrouve pour l'épisode 38 de My Time at Sandrock. Alors, sur l'épisode précédent, donc on a fait le paradis perdu. Je sais pas si vous vous rappelez, on est allé donc démonter le boss du paradis perdu, hein, le chat, je sais plus quoi. Comment il s'appelait le boss, enfin, bon voilà. Donc oui, on a démonté le boss, du coup on a récupéré son cœur. Et qu'on doit aller remettre à qui, donc du coup dans cet épisode, absolument qu'on aille voir qui pour lui remettre le cœur. Voilà. Et je sais plus ce qu'on avait lancé d'autre, enfin, on verra ça. Épisode 37, c'est bien ça. Je vérifie quand même, hein, des fois. Et avant, il faut dormir, bien sûr. Hein. Parce que je vois que je suis devant le lit. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire dodo. Ouais, minuit 42, ouais, c'est pas étonnant. Allez, dodo. Ah, j'ai pas trouvé le bouton pour éteindre le réveil. L'automne arrive, oui. Trop bien. Moi je préfère l'hiver, hein, personnellement. IRL. J'adore l'hiver. Étant quelqu'un qui supporte pas la chaleur, moi l'hiver ça me va. Tiens, débile. Eh, mais si c'est pas ma personne préférée, t'as une minute pour parler de ta note d'atelier? Faut qu'on voit certains trucs ensemble. Alors si je suis plus bas que toi, enfoiré, c'est que t'as triché, parce que j'étais quand même à plus de 1000, hein, d'écart au niveau de répute. Donc en fait j'ai pas vraiment le temps. Bon, bien sûr, allez. Ah, je suis bête, regarde-moi ça, c'est pas le bon formulaire. D'ailleurs on dirait que tu t'en sors bien avec quel que soit le nom de ton atelier. C'est parce que les devs ils ont pas eu envie de mettre une condition en fonction de ce qu'on mettait comme nom. Il y a la condition pour le nom, hein. C'est dommage qu'il ait pas fait pour l'atelier. Mais en même temps, ça marche bien du coup avec le personnage de Yann, je trouve. Voilà. Qui disent, oh, m'en fous du nom de ton atelier, si c'est moi le meilleur. Mais non, maintenant c'est moi le meilleur, Yann. Ce mois-ci, tu arrives à la place numéro 1 du classement atelier. Bravo Roxane. Ah oui. Mais maintenant, il faut que j'aille voir Mienne. Avec nous en haut du classement, elle se retrouve en dernière position dans la ville. Tu y crois? C'est le temps. Essaie de lui en toucher deux mots, mais montre-lui l'exemple de façon positive. Bon, c'était sympa de discuter. Continue comme ça. Mais qui sait? Tu pourrais même obtenir une promotion. Par exemple, constructeur confirmé. Ah, parce que je suis débutant, là. Ou quelque chose comme ça. Je vais y réfléchir, s'il faut. À bientôt. On va aller par la Mienne. Ouais, un coup de hache dans la tronche, déjà. Pour commencer, ça va me faire du bien. Et ensuite, on ira par la Mienne. Non, mais où? Les rivets, j'en ai que 19, mais bon. Pour se faire. Tuyau de pompe d'Anbi. Là, tu les veux rares en plus. Ah oui. Ah oui, il faut en avancer pour Yann. Va te faire cure 9. Cure tannée pour OM, ça me tenterait bien de le faire. 55 en plus. Ouais, je te les prends. Tu sais quoi, les cures tannées? Les cures tannées, on les a comment déjà? Je sais plus qui c'est qui nous file. On fout du cuir. Fais voir. Non, il faut aller au truc de vêtements là. Confection vestimentaire. Hop, cuir tanné. Il me faut du cuir brut. Ça vient des monstres. Oui, mais des quels monstres? Je sais plus quel monstre me file des cuirs bruts. Ah, c'est poil de Yakmo, la laine, ça va. Alors c'est pas la même laine. Ils s'appellent laine tous les deux, mais c'est pas les mêmes laines. Tissu rugueux, c'est bon. Et peut-être on peut acheter maintenant le tissu qu'il nous faut. Mais putain, je sais plus qui c'est, quel monstre nous fait ça. Je crois. Moi, c'est pas les saujons. On verra. Allez, j'accepte, c'est bon. J'accepte. Danby, je t'accepterai bien, t'inquiète. 115, c'est bien, mais. Tuyau de pompe rare, quoi. Il en faut que deux. Pas énorme. Aussi, je peux pas, là. Peut-être qu'elle y sera encore demain, j'espère. Ah, classement des ateliers. Donc, Roxane, dans une remarquable tournure d'événements, il semblerait que tu te sois emparé de la première place du classement des ateliers le mois dernier. Tu es même parvenu à me battre, moi, Yann, président de la guilde du commerce. T'inquiète pas, je le prends très bien. Je ne t'en veux pas le moins du monde. Bien sûr. Je vais bien sûr demander à un comité de vérifier comment tu as accompli cet exploit, histoire d'être sûr que tout est conforme. Et en attendant,
Profite du butin de la victoire. La restitution du butin de la victoire peut être demandée s'il s'avère que la note en question a été obtenue par des moyens non réglementaires. Félicitations s'il s'avère que tu as vraiment gagné ton ami et superviseur Yann. Alors, t'es pas mon ami, moi je te considère pas comme mon ami. Et on reviendra hein, sur le fait que tu le prennes très bien. Hop là. Et on a des badges du commerce qui nous permettent d'acheter des trucs au la guilde. Tu viens là toi? Allez, un petit câlin, parce que ça fait longtemps. Hein. Donc t'as droit à un petit câlin. On peut discuter si tu veux. Voilà, je t'ai pas compris mais c'est pas grave. Maintenant tu vas aller collecter de l'eau. Parce que faut pas faut se bouger un peu. J'ai 32, j'en ai pas beaucoup. Papier usé, est-ce que je... Non. Je me pose une question. Ça, je pourrais le mettre dans l'équipement, mais je crois que j'ai plus de place dans l'équipement, si. J'ai pas encore le coffre de cadeau, alors du coup... Tout ça, c'est des trucs que je vais offrir, ça, je vais pas les garder. Des gemmes, je peux pas te faire tes 2, 4, t'en veux combien? Combien on en veut La belle Amira. On veut 4. J'en ai déjà un. Il faut que j'en fasse 4. Ça, c'est fait. Les joints de caoutchouc, c'est bon. Alors, la belle Amira, elle veut 4 trucs. Mais il faut qu'on aille avant taper de la pierre. Taper de la pierre, taper de la pierre. Enfin, du rocher. Taper du rocher. Et on va essayer de tuer des saugerons. Je crois que c'est eux qui filent le cuir brut. Ça, je me rappelle plus. Il y en a un là, normalement. Oui. Sautronce, pardon, pas sauge-ronge. Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est bien ça, c'est eux qui filent le cuir brut. Vous enfilez pas. Hein. Non, vous filez de la peau d'animal. Voilà. Et l'alpha, peut-être l'alpha. J'ai pas vu si l'alpha m'a effilé. Non, j'en ai eu qu'un, donc non. Je dirais que non. C'est ici. Soit tronce. Voilà. Quand ils sont rouges, hein, c'est qu'ils sont vindicatifs. Comme les panneaux. Il m'en faut 6. Je sais plus combien il me faut de... Le cure brut par contre pour avoir les 6. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'origan. Ah de l'origan. Je pourrais être utile ça l'origan. Et on est venu aussi pour de la pierre. Pardon, je vais pas recharger. Excuse-moi. Et en plus je tire comme un fou alors qu'il n'y a même pas psou. Je suis venu de récupérer de la pierre il y a pas longtemps, hein, c'est ça. Épisode précédent, j'imagine. Là, il y a un sautronce. Pêche, il nous demande de réprimander Mian. C'est son boulot, après tout, si c'est lui le superviseur. Pourquoi t'as résisté à la balle? Bah ça fait le petit bruit comme quoi je vais partir en combat, mais en fait au final non. Brum, et ben non. Non, non, t'as fini le combat avant qu'il ait commencé. Il faut absolument de la pierre de sang. C'était problématique. Parce que la pierre de sang, on a que ces rochers là. Et... Il faut aussi les sauteronces, ils sont où ces foutus sauteronces? Bon, on va faire le tour de l'oasis, hein, on va bien en trouver un. Après tout. Et on ira voir qui après. Quelle heure, on est quel jour? On est lundi. J'ai pris toutes mes commandes, donc c'est bon.
quoi, tu joues à ça? Ah oui, si vous jouez les gars, vous perdez. Juste pensais vous avoir avec le flingue, vous avez pas vu que le flingue, c'est tant pis. C'est bon, je suis rechargé. Y a pas de pierre. Vous vouliez pas du cuir brut, vous, hein? Non, juste du miel. De la carapace en chitine. Ah, je le prends, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Il manque qu'on ait le truc des amis, parce que c'est vachement bien. Pas de pierre ici, pas de saut de tronce. Combien j'en ai de cuir? 5. Je me demande s'il m'en faut pas 2 par truc. Non, c'est 5 cactus. 5 cactus. Je me demande s'il m'en faut pas 2 par. Pour faire un cuir. Enfin, on va voir, je sais plus. J'avoue que je sais plus. Donc, dans le doute. Il m'en faut 4. On a combien de temps pour la faire, ta quête? Toi, j'ai pas assez pour le moment. Toi, il t'en faut. J'ai 2 jours, ok. Toi aussi, j'ai 2 jours. Mais toi, c'est bon, toi, les rivets seront faits, t'inquiète pas. Je vois que j'ai du bois à raffiner. Débris minerais. Voilà. Je peux faire les 3, j'ai assez de pierres de sang. Mais on verra ça plus tard. Allez. Déjà, on va aller chez Amira. Chez Arvio. Chez qui? Tout en passant, bien sûr. Ah, la pauvre mienne. T'as l'air fatigué. T'as l'air fatigué, ma belle. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton corps te lâche, quoi. Non, t'inquiète. Et puis Yann, je le gère. Thanks for catching me. If not for you, I might have broken a bone or something. Maybe I should go to the doctor. Don't worry, this lake still works, kinda. Bah du coup, tu vas partir à cloche-pied. Je t'amène avec le cheval. No time for health concerns. I've got this commission here from Haiti that needs to be done ASAP. Well, off I go then. Ah, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. C'est bon, repose-toi. J'avais une bibliothèque. Bah non, t'as plus d'excuses, non. Je me suis mordu la langue. Bah oui, bah. Allez, t'es fatigué. Tu vas te reposer. Parce que Yann dit que t'es bonne dernière. Déjà, t'es pas bonne dernière. Je crois que t'es deuxième. Bon, t'es quatrième. T'es troisième. T'es quatrième. Bon. Bon, je vais quand même 1000 dans la tronche, hein, au producteur. Je te vois pas beaucoup bosser quand même pour un type qui est second. Enfin. Est-ce qu'on pourrait acheter des trucs? Des compos. Ouais, mais j'ai toujours pas la compo que je veux, moi. Toujours pas la compo que je veux. Embête le tissu. Ouais, il a admiré ça depuis chez moi, c'est ça? Là, il y a une quête. Déjà, tu travailles sur le pont, toi. Va bosser sur le pont. J'aimerais pouvoir poser ma charpente. Merci. Salut, Wen. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Pas de problème.
Je sais pas ce qu'il veut. Il veut que je plante du blé, non? C'est ça? Qu'est-ce que tu veux, Owen? Avec plus en plus de gain, du bleu, ouais, j'ai 3 jours pour planter du blé. 10 blés. Eh ben. Parce qu'on vient les acheter. Salut Grace. T'aimerais bien avoir une armoire rustique, d'accord. Ouais, ouais, à plus. Hop. On va pas se faire chier. Non, paradis perdu puis retrouvé, ouais. On va aller à la grange rosée. Ouh, c'est pas bon ça. Ah maintenant faut passer les deux, d'accord. Reste là. J'ai du bleu, du vert partout là, c'est chiant. On a trop de quêtes. Non, il vend pas de blé. Je vais pas réussir à faire du blé. Alors attends, hop, on va aller à la maison. On va s'en occuper du blé de suite. Il y a trop de quêtes à faire. Bon, ben on n'ira pas à la récup aujourd'hui, ça c'est sûr. Par contre, depuis la mise à jour, je trouve que c'est trop, trop chiant la cinématique. Reste là, j'aurai besoin de toi. Alors, hop. Voilà, ça c'est bon. Je veux planter du blé, tu me fais du blé, hop. Ça me coûtait cher en eau, mais tant pis. S'il faut ce qu'il faut, hein, c'est qu'il le faut. Moins 2, moins 4, bon, ça va me coûter 2 dos à chaque fois. Donc moins 12 dos, tant pis. D'ailleurs, ça fait penser. Dans 3 jours, ça se termine. Ok. Et dans 3 jours et 18 heures, sa quête se termine. Ok. De l'eau. Dans les en reste 112, ça va. Pas trop à se plaindre au niveau de la flotte. Le carburant, on carbure. C'est bon, on a planté ça, on est très bien. Allez. Ah, il y a une quête là-bas. C'est une fourmi aussi. Hop là. Qu'est-ce qu'il veut, Ernest? These sketches, the minutiae of detail. Est-ce qu'il comporterait pas avec Logan? Ouais, vu comment il se... Vu comment il a l'air suspicieux. D'accord, non. Les vêtements. Très jolis. Celle-là surtout. Mais ça c'est pas mal, mais celle-là elle est très 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 jolie. Ça elle est très sexy. Voilà. Elle, là elle est très jolie. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que c'était alors? Oui, c'est un dessin, oui, mais on dirait quand même Amira dessous le dessin. Je suis désolé. C'est bon, on est là.
Dépêche-toi. Ah, je savais bien que c'était un Mira. Elle a reconnu quand même les cheveux. C'est pas moi qui les ai dessinés, oui, elle voulait participer, d'accord. D'accord, c'est des dessins de Pablo. Comment tu t'es débrouillé pour tout ça encore plus suspect? I seem to have been hoisted by my own petard, but I do so only to protect a young man's dreams. Bah, c'est Pablo qui a fait les dessins, c'est ça? Bah, il est très bon dessinateur. All right, fine. I'll come clean. Pablo asked me not to tell anyone, but no point in hiding it now. He drew up these wonderful designs for clothing and then buried his sketchbook in the sand. T'es sûr que tu complotes pas avec Logan, toi? He says his dream is to be a fashion designer, and I don't really have a plan yet, but I just had to dig them up. Please tell me you just wanted to recreate your childhood sandbox experience and you're not seriously digging up my... Oh non, c'est du text to speech ça. Ah, ils ont dû le rajouter après. Tiens, Pablo. Ah. Ça va? You are here as well, I see. N'abandonne jamais tes rêves, ouais. I see you've managed to keep your mouth shut for all of 10 seconds, Ernest. Bravo. Oui, bah oui, je vais pas lui dire. Voilà. Drat, I wonder if the darling Vivi would find it too macabre to sew a zipper to your mouth. Vivi, je me dis, elle pourrait verser dans le vaudou. Elle ressemble un peu à Lady Vaudou dans les Monkey Island. Un petit peu. La mama un peu... la mama vaudou quoi. C'est énorme, j'aime bien. J'aime bien son style. En plus elle parle calmement. Comme elle a dit vaudou. Quand on ira la voir, vous allez voir. Elle parle calmement. Yikes. Look, it was an accident. And you were just on the way to somewhere else, weren't you? Ah non, j'ai vu un point d'exclamation, je suis venu quoi. Seems a bit off the beaten path to me. What luck? Yes, let's talk about luck, shall we? You like spilling secrets. Why don't you try your luck as a two-bit paparazzi for some trashy attar and rag? By the way, I read your article in Kids Today, and it was pure real. Je crois qu'il s'est fait un peu attaquer là, Ernest. Yeah, c'est simplement de t'aider, allez, on va être sympa. I do have a tendency to lash out. Thanks for your concern, but this is just kind of how we talk to each other. Ah ouais, d'accord. Charrier quoi. Pablo just rolls these snappy insults off the cuff. It's so impressive. I don't even take offense. I mean, if I could learn to write stuff like that for my characters, I think my next book could really make waves. Beware, for when waves are made, the friendship may soon capsize. J'ai pas le temps les gars, j'ai beaucoup de commandes. Ok. Forgive me, Ernest. My impulses have gotten the better of me. But make no mistake, my decision to bury these drawings was not one of whim, but of careful consideration. Bah moi je la montrerai quand même à Mira, peut-être que, alors pas forcément la tenue de gauche, mais peut-être que la tenue de droite lui plairait. Je pense que ça lui irait bien. But it seems he's already letting his guard a bit. I think me being here is probably not helping. Well, I hate to cut our little run-in short, but I'm not feeling so well. How long can you leave Yakmel Milk out? Looks to be less than 24 hours. Oh, hey, I guess if Pablo doesn't want his sketches, you can have them here. Tu veux pas les prendre, Ernest, bon? Yes, I'm feeling a bit ill as well. From your sickening performance, Ernest. Indeed. Claims to have an ouais, parce que c'était flag que... Oh, mais je vais écourter. At least limp a little, Ernest. Bon, t'es un peu moulin, Ernest. I suppose he just whispered something infantile into your ear. Don't let Pablo give up on his dreams. I'm a little baby. Last part was Adler. He is young. Naive. Blind to the ways of the world, and he has everything given to him on a glitzy silver spoon. Ça, je l'ai vu.
parce qu'il n'a même pas posté ses invitations. Il pensait que quelqu'un le ferait à sa place. Enfin, il avait oublié qu'il fallait faire soi-même quand on n'avait pas de gens pour nous servir. Pas de gens de serviteurs. Look around you. This town is a wasteland, covered in trash and dust. This town is drying up, and with it, the last ounce of culture these people have ever known. Bon, t'as fait des croquis que pour Amira, t'as pas fait pour Heidi, parce que comme ils font partie du cercle de la jeunesse fugace là. A few of them don't even bathe properly. J'aurais pu faire les deux. I don't need to gossip about. No, no. You'll know who they are. You can smell them. Tu peux les sentir. Qui peine, oui, c'est peine qui pue. Yann aussi. C'est peut-être pas leur odeur corporelle qui me pique le nez. No place for beauty? No time for dreams? Tu as du talent, hein? Non, franchement, c'était son joli le dessin. And yet, with only a second thought, these hopes are again dashed to bits. Ah, ben ça, les critiques, hein, c'est comme ça. Hein. Tout le monde critique. C'est le propre de l'humain, c'est, j'irais même pas du français, parce que bon, nous on est des râleurs, on n'est pas des gens qui critiquent, on est plutôt considérés comme des râleurs, mais c'est propre de l'humain de critiquer son voisin. Ça a toujours été. Let me pose you a question. The drawings you saw just now, would you pay for such attire? Bah, personnellement, ouais. Really? Ouais, je paierais. Well, you're not just being contrarian, are you? Non, sérieux, je paierai. Heidi, Amira, Ernest, these are my admirers. Yes, it would be my honor to enhance their outfits. I could decorate them from their braided heads to their stilet toes. Leur tête tressée à putain, ils point d'accord. Signe de mesure, on dirait que c'est suffisant pour commencer. Quoi, on dirait que c'est suffisant pour commencer. Bah, trois clients, c'est déjà bien, non? Although, wait a second. Ernest is from Atara. Bah oui. You're from Highwind. Heidi's from Sandrock. Amira. Ah, well, bless her heart. She's from Barnarok, but still. Bah ouais. C'est-à-dire que si les vêtements qu'on porte plaisent, bah Ernest, lui, il peut faire la promo de Pablo à Tara. Moi, à Highwind, à Auvent. Heidi, elle peut faire ça. Bon, à Sandrock, du coup, au final, on fera tous les quatre à la promo. Puisque on habite tous les quatre Sandrock. Et Amira, bon après, je suis pas sûr qu'elle retourne à Bannarok. Donc je suis pas sûr que tu toucheras un public de Bannarok, mais au moins de trois villes déjà, c'est pas mal. Peut-être pas international quand même. If Sandrock were to become my more popular travel destination, perhaps there truly may be a chance. A brand. A penthouse studio. Je m'en formerai pas tout de suite, ouais. Mais bon, je vais pas mettre ça. Au moment venu, je censurerai la scène. Voilà. Our discussion has been most enlightening. Let us speak more of this at a later day. Goodbye. Bye. Bon, ça m'a pris un peu de temps quand même. Ernest est désormais mon partenaire, ok. Je sais pas. Je m'en fous un peu d'Ernest, mais bon. Ici, il doit y avoir des sauterons. Là. Peut-être pas ces deux-là, mais ces deux-là, je pense que c'est les sauterons. Allons voir. Eh, ce que je disais. T'es pas un sauterons, toi? Si. C'est les deux. Ah si, les deux là-bas, c'est des sauterons. Du moins, j'en vois un. Oui, il y en a deux. Bah, ça, on n'est pas un. J'ai un... Ah c'est le gecko. J'ai un loyal, je pensais que c'était l'un des autres animaux. Tant pis. Alors Heidi. Mianne. Mais Mianne, qu'est-ce que tu fous là? Tu devais être reposé. Mianne, t'as rien à faire là. Va te reposer.
s'est écroulé tout à l'heure. Ah. Il y avait Coco. Ouais, désolé. Il faut qu'on aille là. J'allais voir si... ils ont bientôt fini. Il est pas bientôt fini. Parce que normalement, je peux pas faire de nouvelle annonce, c'est ça qui est dommage. Non, mais y a pas de cure brute. Ok, tant pis. J'aurais bien voulu qu'il y ait du cure brute. Mais y en a pas. Allez, Arvio. Salut Arvio. T'avais commandé des trucs, non, sur la guilde? Ben voilà. Tout ce qu'il te faut. Ouais, je suis allé l'appeler à deux pas des marches, j'aurais pu l'appeler tout ce qu'il faut chez Arvio. Ouais. T'avais bien aimé le refri, toi. Ah, désormais mon partenaire. Cool. Cool, cool, cool. Ça c'est mon... c'est chez moi. Allons voir chez Amira. Avant d'aller chez qui. Voir si elle a des... J'ai eu pas se faire passer un petit coucou, hein. Puis on peut voir si elle a... de la pierre de sang. T'es pas là Amira? Mince. Je vais te faire un coucou. Ben non, t'es pas là. C'est quoi, je t'achète ton quartz aussi. Hugo. Allez, on va chez qui? Reste là toi. Tiens, le cœur étrange. Qui le voilà, qui? C'est qui? Et là qui voilà, l'inspecteur Gadget. Elle était nulle celle-là, désolé. T'as vu, je t'ai passé du vent. But to get an actual R47 Ultra, it was a prototype core that was a downsized version of the R57 core, used in standalone all source AIs. And you look like you have no idea what tu I'm talking about. Peux abréger, s'il te plaît? Just know that I'll be throwing my previous plans into the trash and... and they all thought I was mad coming here. Non, je comprends pas, mais je m'en fous. I'll get back to you. Ah, merci, t'as abrégé. on fait quoi là? J'ai 54, je peux accélérer, ouais. Même si on va pas faire de CD aujourd'hui. Quoique demain on en aura. Mon cheval, faites sceller mon cheval. Ok, et... c'est pas ça que je voulais. Il me reste... et confiance, non. Attendre le schéma. Elle veut une bibliothèque en bois. Et je vois un orange là-bas. Qu'est-ce que c'est? Et je vois aussi une petite quête de coupe. Il est où coupe? Il est dedans. Et je vois du orange. Orange, ça m'intéresse. Non, il est dehors. Hein. Ah, il est peut-être parti dormir. Bon ben, j'aurais pas son truc. Ouais, il est dedans et il est parti. Il est parti, allez, allons voir ce que... qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, qu'est-ce qui se passe? Are you sure there really ain't nothing I can do to change your mind? Qu'est-ce qui se passe, Pocky? Nope. Elle est sur le départ maintenant? D'accord, elle aime plus Sandrock. Well, that's just like... good luck and safe travels. Dang it. Ego's the best onsorter this company ever had. What about me, sir? Et moi?
Ah, t'es le deuxième meilleur, peut-être. Maybe we could commission one from a builder to help out now that we're short-handed. Ouais, et puis vous arrangerez avec Yann hein, pour la commission de la truc. On enverra Rocky s'arranger avec Yann pour payer la commission. I'm kind of emotional over here. Besides, ain't no machine that does sorting. No, I'm pretty sure she's right. Hey, builder, over here. Bah, je pense savoir, ouais. There was such a thing as a sorting machine. You can research it with Director Chi, right? Bah oui, j'irai voir qui. Chi, comme tu dis, moi je l'appelle qui. Ouais, si vous faites une commande officielle, il y a une commission. Hein, je vous le dis. Du coup, Rocky fera du tapian. C'est tout. Sure. I don't know, whatever. Who cares? I say we go for it. I'm not doing extra work just cause Bama thinks this place is drying up. It's our best chance to. Bah, en même temps, on n'a pas de temps, hein, ça se dessèche. C'est le désert, quoi. Yeah, yeah, alright. Even if I said no, looks like it's three against one anyway. And one thing we don't do here. Ah, c'est vrai que vous êtes tous des sons 3 contre toi, ouais. Yo, you heard the boys. One sorting machine. C'est bien, si tous les patrons étaient comme ça. Une trieuse et que ça se toque. Bon, j'irai voir qui. Enfin, qui. On va aller voir qui. Pour sa trieuse. Écoute, t'es sorti de chez toi ou pas là? C'est pas l'heure de la sieste, mon gars. On est toujours pas sorti. Et Mabel, si je bique sa place, il va être content ou pas? Mais non, mais je voulais pas m'asseoir. Je veux la boutique. Ça coûte 898, je prends. Je sais pas ce que c'est, hein. Alors, c'est un truc très sympa. Voilà. Voilà. Hop. Je peux pas te le revendre. Bon, bah tant pis. Peut-être je pourrais le revendre. Truc très sympa maintenant. Hop, je peux appeler ma monture. Et en plus, j'ai sa loyauté et sa forme. Et je vais surtout l'appeler. N'importe où je suis, elle me rejoindra. Archie, j'ai autre chose à te demander. Ouais. Bring me 5 data disks and you'll have what you want. Va chercher tes CD où? Okay, I'll get started. Allez, dépêche-toi de me faire ça. J'en ai besoin. Sinon, on pourra plus continuer à rocker. Ce que dit la quête, on continue de rocker. Il y avait un truc qu'on avait vu. C'est pas là qu'il faut aller. Je l'avais vu pendant la fête ou je sais plus. Enfin. Reste là. Hop là. Coucou, le coffre. Pionnier. Ici. Je vais même pas utiliser de balle. Youpi. Un pendentif béni. Oui, mais dans sa poêle cas le truc. Il y en a d'autres, hein. Vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Par où? Animaux. Hop là. Non, ça c'est tombé là-haut. Moi ouais, je t'aime bien Nemo. Mais qu'est-ce que je peux rien faire pour toi? Bah ouais. Encore t'accueillir chez moi. Vous vous doutez bien que si je lui donne à bouffer, c'est pas pour rien. Salut le débile. Comment je suis pour monter? Si, peut-être là.
Je suis pas en face, t'es sérieux? Kit d'amélioration de machine. J'ai vu un là. Un diamant, oui. Mais bien vu. Des planches en bois dur. Mon cheval. Voilà, t'es là. N'a pas un autre. Peut-être un autre, je sais pas. On verra ça plus tard. En tout cas, on a récupéré quelques-uns. Ah, il y en a un là-bas aussi. Il faut que j'aille voir aussi si y a encore mon annonce. Je sais pas si elle y est encore ou pas. Et après on se laissera là pour cet épisode. Toujours pas sorti hein, coupe, non. Je vais voir si je peux pas le racheter le sifflet Arvio. Et accessoirement s'il a pas du blé. S'il a du blé, sérieux, je me fais pas chier. Enfin je le fais pousser mais je me fais pas chier à le. Faire pousser broche plume de pan. Salut Arvio. Ouais, pas du blé, mon gars. On va mettre une bibliothèque. Je sais pas, j'ai pas envie de me faire chier à la faire. Ouais, si tu veux, je prends. Eh bah, tiens, prends. Je te file aussi, un truc du médoc. Dans ma partie perso, je m'en suis pas servi. J'en ai 5. Bien, Rio est bien. J'en ai plus besoin de ça. Tu vois, Rio. Je vais voir, mais s'il faut, je rachèterai la bibliothèque. Je peux la faire facilement. Allez, ça me coûtera moins cher que de l'acheter. À bout de souffle. C'est laquelle? Faut que je la mette. On arrête de roquer. On arrête les paradis perdus. À bout de souffle. Et si on se sèche, il me faut le mixeur pour ça. Salut Eddy. Thank you kindly, builder. I've been quite looking forward to. On s'est mis d'accord. So that's what happened. That's a real shame. Nian is always doing stuff like this. She should have just asked me. I have plenty of meds for this kind of situation. En plus, elle s'est effondrée devant la guilde, quoi. Si l'autre débile, il l'a vu, il va vouloir aller la pourrir. On n'aurait pas dû s'effondrer là. Mais bon, enfin. Here, take a few to her for me, will ya? Can't believe she was so bent on finishing this for me. Ah ouais, je donnerai. Remède à tarier. Alors, elle est où, Mian? Elle est là-bas. Tiens. Hey. Eddy, elle m'a donné ça. Oh, thanks. How the commission go? Did Hedy like it? Oui, ça lui a plu, ouais. How nice of her. But even with the medicine, Dr. Fain said, implied, I need to work half days for the better part of the month. I'm already starting stress. Mais non, faut pas stresser. I don't know. That's just how I am. Almost everyone in my family is a successful builder. C'est bon, tu réussiras. Parce que Yannick, t'es nul. T'es forcément nul. Il est nul lui-même, alors bon. Comme on dit, moins par moins, ça fait plus. Du coup, au final, quand il dit que t'es nul, vu qu'il est nul, ça fait que t'es bien. Back when Elsie took my license, I mean.
It was my fault for losing it, and I was letting everyone down by not taking commissions. My parents would be so disappointed if they saw me loafing around, letting my workshop rating stagnate. Mais non. Not because I overworked myself. I'm going to get behind again. And it's even worse than last time. If I really spend half my time cooped up in my workshop for 2 weeks, I think I'm gonna go crazy. Ouais, bah, tu sors avec quelqu'un? Bah oui. Yeah, right. Good one. Bah quoi? C'est vrai? I don't think anyone here likes me like that anyway. I'm just here to focus on being a builder. Oh, I got it. Zeke gave us those seeds after the moisture farm ordeal. I wonder if learning to grow them could be useful. Yeah, that could work. Thanks for all your help. Because of you, now I have medicine, no pending commissions, and a plan for my downtime. I feel better already. Okay, you've spent enough time on me. You need to go back to doing stuff for yourself. Ouais, j'ai encore des trucs à faire. When I'm back to 100%. D'accord. T'as raison, j'ai des trucs. T'as tout à fait raison, j'ai des trucs à faire. Bon, je trouve des rochers. Et des sortronces aussi. Donc on y est. Alors, est-ce qu'il y a du rocher là-bas? Ouais, des hyènes. J'avais vu le saut de ronce. Tu peux m'attaquer? Vous êtes niveau 28 quand même. Ah, ça rigole pas, hein, 28. Du tout. M'a dit des rochers, moi. Ah, il y a un truc pour. Ça fait quoi? Ça augmente la capacité des chargeurs de toutes les armes à feu. Augmente de 10% des dégâts critiques causés par une arme avec des armes à longue portée. 10% de PV en plus. Chaque attaque, ouais. Chaque vite inférieur. 60. Augmentation de 10% des dégâts critiques causés avec une arme à longue portée ou capacité tous les chargeurs, non mais ouais, tous les chargeurs, allez. Ouais, 12 coups maintenant et puis un 6 coups. Oui, donc il y a un banc de poisson, et un truc pour les mariages. Et les chevals. Des gros graviers, mais ça fait pas de pierre de sang, ça. Oh, ça fait du quartz. La dispersion, quand même, qu'il y a. Du marbre, bon. On fait un peu de marbre là, il y a des cook and roll aussi, mais non, mais il n'y a pas de. C'est pas ce que je cherche. Oh, tiens, il a pris la fatigue. Tant pis, bon, bah, on court. Tu me suis. Il est passé par là. Thank you.
C'est quoi ça? C'est grand mais ça? Ajoute à la CUP, d'accord. J'ai mon plumeau cette fois-ci. Un mur exposé, pièce 1. D'accord. Je voudrais de la pierre. Des rochers. De la pierre, des rochers. Hop. Qu'on peut passer dans le paradis perdu sans la porte par là. Un cactus. Il y avait ouais, le truc d'hyper sommeil hein, que j'aurais pu. J'aurais pu faire, mais bon. Yakumo, non. Un gravier. Non. Ça se passe pas. C'est pas, on verra ça demain. Enfin pour Roxane, hein, pour vous, on verra ça au prochain épisode. Hein, hop, on va relancer des trucs. Voilà. Toi, tu sais quoi, tu vas me refaire des dalles de marbre. Oh, je peux en faire qu'une, mais tant pis, allez, je fais. Et on s'en fout. Récupère tout. Normalement demain on aura beaucoup de trucs à faire. 5% d'obtenir un article raffiné en double. 5% de chance que le raffineur ne consomme pas de ressources. Ouais. Gagner 10 XP. C'est le collecteur d'eau de pluie. Quantité nécessaire pour faire de l'eau, ouais, pourquoi pas. Ça, le sac, franchement, je m'en fous. Là, je m'en vois pourquoi j'ai un sac aussi grand. Je sais pas. Par contre, 10%, chaque fois qu'on fait des trucs sur pause d'assemblage, je prends. On aura bien ça et le bétail à prendre, mais bon, on aura tout le temps de monter en gamme. Ça, c'est un artefact. Ça, c'est une gemme. Poil naturel. Cuir tissu caoutchouc. Mais ça, il faudra que je le range dans des coffres. Tu vois, il faudra que je fasse des coffres. Mais on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.